Verkkonummi, state of mind, ADOD, MC, Rambo, Heinis, köyhä, jonne ja tee. Kroomi katku, hyvälen enää kuin pomma seinä, älä elikane etelä. Eh bien, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Un tutoriel dont je vous avais parlé il y a extrêmement longtemps. Qui est tout simplement un tutoriel pour mettre la météo réelle de sa ville. Par exemple, voilà, je sais pas, vous habitez à Metz. Et bien, dans le jeu de base, il n'y a pas la météo de Metz. Donc, du coup, il va vous suffire de vous rendre sur ce site-là, donc qui est Pict Aero. Le lien est dans la description. Alors, pour ma part, je vais mettre dans les C, parce que ma ville, c'est Colmar, voilà. Donc, je prends ça, Colmar ou Seine. Ensuite, vous allez aller dans le code OASI. Donc, ici, vous allez passer ça en bleu. Vous allez faire CTRL-C ou coller, tout simplement. Ensuite, vous allez ouvrir le dossier DUMZY, bureau. Homzy 2 raccourci. Non, pas véhicule. Weather. Et là, vous allez tout simplement avoir un dossier qui s'appelle ICAO. Donc, OACI, ICAO. OACI, c'est l'envers, entre guillemets, de ICAO. Voilà. Donc, moi, mon truc, c'est LFGA. Donc, on va faire CTRL-C parce que je ne me souviens plus si je l'ai fait. Donc, LFGA. Attention à bien le mettre dans le code, dans le l'ordre alphabétique, sinon vous allez tout faire bugger. Alors, L-E-A, L-F-B-D, moi c'est L-F, je sais plus combien. L-F-G-A, donc c'est pas là. L-F-B-D, L-F-L-Y. Donc, moi c'est ici. On fait CTRL-V. Donc, vous voyez bien que si c'est L-L, F-F, B-G, donc c'est après, D et A, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ensuite, vous faites espace et vous mettez tout simplement le nom de l'aéroport. Pour moi, c'est Colmar ou Seine. Donc, je mets ça comme ça. Vous faites CTRL-V. Ensuite, vous allez enregistrer et moi, je vous retrouve une fois que le jeu est lancé. Allez, à tout de suite. Hey, eh bien, on est de retour. Écoutez, voilà. Alors du coup ça c'est le bus que j'ai pris mais ça c'est pour un prochain tutoriel. Alors on va mettre Freezing Westness, voilà. On va mettre ça. Donc là on est sous la neige littéralement. Et là je vais mettre météo réel. Je vais aller dans... Alors c'est plus bas parce que moi c'est L et là on est dans les E. L, voilà, encore. On est face à un fail, mais genre vraiment. Attendez, what? What the fuck? Attendez, je vais regarder ça. Mais what? J'arrive pas à comprendre. Alors là, on est face à un fail, mais genre total. Non, c'est pas dans les véhicules, merde. Weather. L'ICAO, il est où? L'ICAO. Je l'ai passé, il est là. Ouais. Bah ouais, mais on est face à un fail, le lame, genre totalement. Attendez, je vais voir si... Ah, je vais le copier quand même. Hop, je vais voir si... Je vais enregistrer, je vais remettre une météo réelle, mais what?
Là, j'arrive pas trop à comprendre, j'avoue. Alors. Mais non, il en veut pas le truc. Il s'est dit, désolé de l'expression, mais il s'est dit, toi, tu vas te faire foutre, pas de ta météo. Oh putain. Oh, c'est un fail, mais genre total. Mais déjà, pourquoi ça s'appelle comme ça? Je vais mettre LFGA. Eh, écoutez, je m'en fous. Hein. Je vais foutre ça et puis on verra. What? Ah, c'est tout à fait normal ce qui vient de se passer. Bon, bah, c'est bon. Voilà. Si jamais ça marche pas, vous faites exactement comme moi. Alors, je suis pas fou, je vais quand même remettre le truc. Voilà. Donc, je vais aller dans Weather. Parce que là, c'est vraiment la météo qui fait chez moi. Hein. Il fait exactement pareil. Je suis quand même pas fou, je vais mettre. Je vais remettre Houssen. Je vais refaire enregistrer. Et je vais voir si je peux pas le trouver, mais genre. Ouais, mais là, je suis franchement choquée. Ouais, bon, bah, je vais laisser cette météo. Donc, en gros, faut bien le classer par ordre alphabétique, le truc. Si vous le trouvez normalement, bah, vous n'avez pas besoin de faire la méthode que j'ai fait. Et si vous le trouvez pas, vous mettez le code OASI du truc. Donc, pour ma part, c'était LFGA. Et après, vous mettez le nom exact de l'aéroport. Donc, par exemple. Si, par exemple, il y a Compiègne, Marigny ou Marigny. Vous mettez pas Compiègne, vous mettez Compiègne Marigny pour que le jeu puisse bien se référer après sur le vrai truc. Voilà, voilà. Donc, ça c'est fini. Enfin, on a eu un fail. Ça c'est fini pour une résolution assez sympa de ma part. Enfin, je veux voir si la vidéo est pas vraiment buggée. Parce que si, admettons, maintenant on met Munich. Ah non, le temps n'est pas du tout le même. Par contre, il est dégueulasse. Ah ouais, le temps est genre vraiment dégueu après. Hop, alors on va prendre un petit screenshot pour la miniature. Ouais, je vais remettre la météo, mais là, je vais vous montrer LFGA. Voilà, ensuite, Colmar, Houssen. On tape ça, tu fais OK, et là, la météo, elle va changer. Voilà, là, elle remet la météo d'avant, la météo qui fait chez moi, donc c'est vraiment pas mal. Sur ce, j'espère que ce tutoriel vous aura aidé. Si vous avez encore des soucis pour régler la météo, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. J'essaierai de vous y répondre de la façon la plus précise possible. Et puis moi, je vous dis ciao ciao à tous. Bye bye.